Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du Deuxième Type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on va parler comics et pas n'importe lequel, puisqu'on va parler un comics qui nous a tapé dans l'œil, il faut le dire. Moi, j'en ai déjà dit quelques mots sur la rubrique Geek pour ne rien vous cacher, mais mon comparse l'a dévoré, bon, je crois qu'on peut le dire aussi. Totalement. C'est du Superman, c'est du Darwin Cook et c'est du Tim Sale. Tim Sale. Et du bon Tim Sale. Du bon Tim Sale, et j'ai envie de dire Darwin Cookia. Hein, j'en parlais, t'es d'accord avec moi. Ah bah, carrément. C'est ouf. Et c'est pas étonnant que ces deux-là se soient retrouvés là-dessus, on va dire. Et oui. Est-ce que tu nous ferais pas le pitch, mon petit Nico? Donc, on va parler du comics Kryptonite, donc, voilà, de Darwin Cook et Tim Sale. Toi, tu as la dernière édition, il me semble, que tu as payé combien? Je l'ai payé 12 balles au festival de Roubaix. Et tout neuf, hein. Mais tu sais combien il coûte ou pas? Le code c'est UB07, donc ça doit être du 15,50, un truc comme ça. 15,50? Putain, du 15,50? Ou 17? De toute façon, comme d'habitude, vous l'aurez quelque part par là. Ouais, mais c'est puis même 12 balles, ça le fait quoi. Fais-nous le pitch, mon petit lapin, Darwin Cook. Le pitch, il est simple, c'est qu'on a une réécriture de la part de Darwin Cook des origines de Superman, les débuts du super-héros et les débuts de Clark Kent. C'est pas les tout débuts. Il réécrit aussi une partie des origines de Superman, et donc on le voit arriver sur Terre, forcément, suite à l'explosion de Krypton. On le voit, son vaisseau accompagné de différentes roches de lava qui constituait avant la planète Krypton. Et ce qui est intéressant au début, c'est qu'on aperçoit un Superman qui a plein de faiblesses et qui n'est pas sûr de lui-même. Donc le pitch, il est là, en fait. On a l'intérêt ici, dans ce titre-là, scénarisé par Darwin Cook, c'est qu'il va nous montrer un Superman indécis et pas sûr de lui. Un peu chétif, pas physiquement, mais psychologiquement, mentalement, on va avoir affaire à un Superman, au départ en tout cas, assez peu sûr de lui, et en tant que super-héros, et aussi en tant que Clark Kent. Même si, en règle générale, la différence, elle est prégnante. On a, dans le Superman qu'on connaît, on a un Superman hyper assuré de lui, etc. Et le côté un Clark Kent qui est un faible, quoi. Qui se cache derrière une identité de. Ben, il prend l'inverse, le contraire de Superman. Dans les Superman Rebirth et puis même les Superman Renaissance, le Superman du New 52, Clark Kent, il recommence à avoir un pied d'égalité avec Superman en termes de caractère. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on a un Superman qui est quand même assez fragile. Et c'est ça l'intérêt de ce titre, en partie, entre autres, et tout l'intérêt que nous a donné Darwin Cook. Je peux pas dire plus que ça. Non, mais tout à fait. Moi, pour le coup, je vais commencer par faire un petit prologue. C'est ce que j'ai d'ailleurs dit dans la rubrique. Je l'avais commencé comme ça et je trouve que c'est très intéressant de vous en faire part. Et toi, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Moi, Superman, c'est pas un super-héros, un personnage que j'affectionne particulièrement. J'irais même qu'il me gonfle parce qu'il a un côté boy scout et un côté systématiquement victime de la kryptonite. Un peu comme Flash et les voyages temporels. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'il y a Flash, bah, tu peux te douter qu'il va y avoir du voyage temporel dans le lot. Et c'est ce qui me gonfle aussi avec Superman. C'est-à-dire que j'ai trop l'habitude de lire des trucs autour de la kryptonite. Et ça me gave, mais alors, d'une force terrible. Je trouve d'ailleurs que d'avoir créé un personnage comme ça, finalement, et c'est aussi pour ça que j'aimais pas trop le personnage de Superman, c'est que c'est des mecs qui se sont tirés un peu une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'on lui a... Mais non, mais c'est vrai, tu crées un personnage qui n'a pas de défaut, à part la kryptonite. Comment tu veux trouver des scénarios qui, du coup, se détachent de ça? Alors, attention, quand je dis ça, il faut apporter une nuance, je suis très très loin d'avoir tout lu sur Superman. Je dirais même que je n'ai pratiquement rien lu sur Superman.
Et on en a déjà parlé, je pense, dans une précédente vidéo, et puis même en off il y a longtemps, c'est que ce que tu dis, c'est tout à fait juste, dans le fait que effectivement, les scénaristes sont. Enfin, les créateurs sont tirés une balle dans le pied avec la kryptonite, et puis. C'est un peu lassant, même dans la série Superman, hein, tout est centré là-dessus, avec Lex Luthor qui essaye de niquer Superman avec la kryptonite, c'est un peu lassant. Mais je t'en avais déjà parlé, j'en avais déjà parlé ici, c'est que. Les derniers, le Superman Rebirth et puis dans les Action Comics, les derniers Action Comics, avec l'apparition de la famille de Superman, c'est-à-dire avec le mariage avec Lucienne, avec la naissance de Jonathan Kent, et puis avec une mise en avant des parents de Clark Kent, on lui a trouvé des faiblesses. Mais c'est ça C'est-à-dire que que. c'est des faiblesses profondément humaines, et c'est pour ça que tout à l'heure je disais dans le pitch de départ, c'est qu'on a. On a une mise en avant de Clark Kent dans les derniers Superman où Clark Kent prend toute sa valeur et devient un peu à égalité, revient à égalité avec Superman justement. Et c'est ça qui est intéressant justement dans les Superman où on a un personnage qui est moins lisse qu'avant. Et les scénaristes ont fait appel à énormément de méchants de l'univers Superman qu'on ne voyait plus avant quasiment. Et je trouve ça super intéressant. Voilà, on est pour le coup, pour le reste, on est d'accord par rapport à la kryptonite, c'est sûr que ça en fait un personnage assez lisse, hormis tout ça. C'est ça qui est effectivement complexe parce que le personnage de Superman, contrairement par exemple à Batman, qui a des problèmes en tant que Batman, mais aussi en tant que Superman, excuse-moi, Attends, Bruce Wayne. en tant que Bruce Wayne, et effectivement, c'est ça le sel du truc aussi. Et puis, bah, de toute façon, et voilà, quand tu as un personnage qui n'a pas de faiblesse, ou alors que tu dois lui en créer, bien sûr. Mais qui n'a pas de faiblesse et qui a une âme de Boy Scout parce que voilà il protège envers et contre tout et contre tous et en plus je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah, il a un côté lumineux comme ça où bah voilà il est là aussi pour inspirer l'espoir enfin clairement bon bah mais on dit souvent et on fait le parallèle et que ce soit apparemment dans la Rebirth ou que ce soit dans celui-là, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est justement, on s'intéresse beaucoup moins à Superman qu'à l'humain qu'il est, ou soit qu'il aspire à être, soit qu'il est Exactement. devenu, Exactement. et ses faiblesses, elles sont aussi dans son humanité, et c'est en fait l'humanité de Superman, on va comprendre là et dans d'autres récits, que c'est sa force, mais ça peut aussi être sa faiblesse. Et donc tout ça pour dire que moi, effectivement, Superman, à la base, pas du tout. Et alors, les histoires de Superman avec la kryptonite, encore moins. Donc autant vous dire que ça a beau être du Tim Sale, ça a beau être du Darwin Cook, quand j'ai vu Superman kryptonite, ça annonçait pas du bon. Tu m'étonnes. Mais Oui. force est de constater. Qu'on a pris notre pied. Et juste avant de commencer la chronique réellement sur Kryptonite, par rapport à ce que tu disais, le fait que tu as du mal avec Superman, on peut faire un parallèle avec Captain America et contextualiser l'époque de création de ces deux super-héros. Quand on a créé Captain America et Superman, on était pendant la guerre ou avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Je Et crois on même qu'on avait était en plein encore, dedans. on est en plein dedans, même. C'était 39 pour Superman et puis les années 40 40, pour Captain 40 America. pour Captain America. Donc il fallait des super-héros, enfin des héros invincibles. Et on les a carrément eus avec Superman. D'ailleurs, dans cette édition, on a, je sais pas si je te l'avais dit, mais je te le dis maintenant, on a l'histoire qui a inspiré Darwin Cook pour celui-ci. Tu peux me montrer, s'il te plaît, la part de bonus dans le bouquin, parce que j'ai tellement aimé que je ne suis pas à l'abri de racheter cette édition, très Alors, honnêtement. les bonus. Non, non, t'inquiète pas, les bonus, il y a. Alors, attends, combien de pages? Il y a une dizaine de pages de bonus. Oh, ça va, c'est pas énorme. Et il y a un topo de Tim Sale sur les dessins, forcément. Et puis il y a cette histoire en fait qui a inspiré en gros Darwin Cook. Enfin, qui a pas inspiré, mais qui a
ce que dit Doran Cook dans l'introduction de cette édition, c'est qu'il dit par où je vais commencer, qu'est-ce que je vais dire, est-ce que je vais pas dire des choses qui ont déjà été dites, est-ce que je vais pas. Et en fait, il s'est inspiré de ça pour amener dans son histoire le fait que Superman va découvrir d'où il vient. Vas-y, dis-nous ce que t'en as pensé, mon petit lapin. Et moi, je rebondirai. Ben, c'est vrai que je vais pas faire de redite avec ce que j'ai dit. Vous pourrez retrouver ça dans la rubrique Geek. Et la miniature, c'est Big Bang Theory. Donc, ça doit être avec... Avec qui on l'a fait, celle-là? Avec Phil. Avec Phil. Effectivement, avec Rétrophile. Donc, allez voir la rubrique Geek avec Rétrophile, qui était super cool. Cette rubrique, elle était vraiment chouette. J'avais l'impression d'avoir Corby et Jackie à côté de moi. C'était vraiment sympa. Et effectivement, je parle de Kryptonite, quoi. Et je venais de le finir, donc j'avais vraiment... Donc, vas-y, je vais te laisser parler. Ce qui est super intéressant dans ce titre, c'est que on a tous les ingrédients qui font qu'on aime, enfin tous les ingrédients qu'on aime chez Tim Sale et tous les ingrédients qu'on aime chez Darwin Cook. Je pensais, on parlait tout à l'heure de New Frontier de Darwin Cook et Tim Sale, on peut en citer Amère Victoire, Halloween et puis le Spider-Man bleu, l'Hulk gris, etc., etc. Il y a chez ces deux artistes une naïveté et scénaristique pour Darwin Cook et graphique pour les deux, pour Darwin Cook et pour Tim Sale. Mais dans les titres que je vous ai cités là, ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'on a cette naïveté juste visuellement, j'ai envie de dire. Et ben dans ce titre-là, ce qui m'a plu, c'est que Darwin Cook, il a réussi, à mon sens, hein, il a réussi à instiller cette naïveté dans Superman. Et cette naïveté dans Superman, elle est clairement par rapport à son rapport à Lois Lane, par rapport à son rapport à ce qu'il est en tant que Superman, parce qu'il ne connaît pas ses origines. Lui, pour lui, Superman, c'est un humain. Dans Kryptonite, c'est un être humain. Ses parents sont les Kent à Smallville. Smallville, non? C'est Smallville. Ouais. C'est Smallville. Et il n'a pas conscience de ses super pouvoirs. C'est-à-dire qu'il lui, il croit que si, quand il va aller dans la lave, d'ailleurs, il y a un moment donné où il va être dans la lave d'un volcan, il croit qu'il va souffrir, il va pas en sortir indemne. Et c'est à partir de là qu'il va découvrir, qu'il va sortir de sa naïveté. C'est, excuse-moi, parce que. Non, il n'y a pas de. Par rapport à ça, c'est pas forcément qu'il a pas conscience de ses pouvoirs, c'est qu'il a pas conscience des limites de ses pouvoirs. Il sait qu'il a des pouvoirs. Et quand il y va, il sait quand même que voilà, il peut. Et alors, disons qu'on est entre le courage et effectivement la connaissance du plein potentiel de ses pouvoirs. Exactement. Mais effectivement, juste pour apporter juste un détail à ça, c'est qu'effectivement, il connaît pas la limite de ses pouvoirs. Exactement. Et voilà. Donc, il découvre au fur et à mesure, effectivement. Voilà. Et à chaque fois qu'il est dans une action, il se pose la question. Il se dit attends, là, ça brûle. Je vais mourir, enfin c'est pas possible, je vais pouvoir sortir, j'arrive pas à respirer. Ça me plaît énormément d'avoir un Superman comme ça, par rapport à tous les Superman qu'on connaît, tout ce qui est Jim Lee, tous ceux qu'on connaît et qu'on n'aime pas forcément, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Là, on a affaire à un Superman qui est hyper attendrissant, qui se pose de bonnes questions, il me semble, sur sa condition et sur la condition des autres, et qui a pas la main sur les choses, parce que c'est pas vraiment lui qui va réussir à résoudre tout ce qu'il y a à résoudre dans ce comics, dans cette histoire. Lois Lane a une part hyper importante dans ce comics, et elle a un caractère, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais c'est pas du tout la Lois Lane qu'on a l'habitude de voir. Et justement, à contrepartie, on a dans les histoires habituelles de Superman une Lois Lane qui est un peu lisse, qui est un peu une midinette, quoi, qui est une super reporter, etc. À l'image de ce qu'on peut voir dans la série, en fait, Superman. Là, on est plus sur la Lois Lane des films, je trouve. Exactement. Exactement. Et c'est top. C'est vraiment top. C'est-à-dire que Darwin Cook, il a pris un peu tous les bons ingrédients dans tout l'univers de Superman. Et cette histoire de réécrire les origines de Superman, c'est très court dans le comics, hein, par rapport au fait qu'on a un rocher de la planète Krypton qui suit en parallèle l'avancée du vaisseau dans lequel est le petit Kal-El.
Ça, c'est une trouvaille, je trouve, scénaristique, qui change tout, en fait, dans l'univers de Batman, de Superman. Si, je pense pas que ce soit dans la continuité, celui-là. Je sais pas s'il y a une continuité. C'est ça qui est ouf, je trouve, c'est que il peut et il peut pas. C'est-à-dire que la trouvaille avec la kryptonite, justement, du fait que la kryptonite suive le vaisseau, ça peut très bien en faire partie, comme ne pas en faire partie. C'est ça où c'est cool, c'est que c'est trop pour en faire partie, et à la limite, c'est pas assez pour. C'est vraiment une bonne trouvaille en ce sens, je trouve. Et puis, ça donne une autre dimension, justement, à la kryptonite, qui n'était là que pour faire du mal à Kal-El, quoi. Bah, c'est d'ailleurs le propos de... C'est ce que s'est demandé Darwin Cook quand il a voulu écrire cette histoire. Il s'est dit, mais comment je vais faire pour écrire une histoire qui ne bouleverse pas l'univers de Superman? Je viens de me rappeler de ça quand j'ai lu l'introduction. Et on vient de le dire, il l'a fait merveilleusement bien, parce que justement, on peut ou ne pas, on peut la mettre ou pas dans la continuité, cette histoire-là. Et c'est ça qui est génial. Et il y a vraiment tout ce que j'aime, en fait, chez Darwin Cook et chez Tim Sale, tout ce que j'aime dans Superman sont là-dedans. En plus, ce qui est génial, c'est ce qu'on n'a pas forcément souvent dans les histoires de Superman, c'est qu'on a une enquête, on a un travail, enfin, on a une espèce d'histoire policière, de polar. Et c'est là où, effectivement, on peut faire un parallèle avec un Halloween, par exemple, où vraiment on a une enquête. Et c'est. Alors, c'est très bizarre d'ailleurs, parce que c'est même. Alors, il y a un petit peu Lois, et encore. Mais sinon, c'est le spectateur qui est détective là. C'est le spectateur qui vraiment essaye de reconstituer les pièces du puzzle. Il y a un twist quand même auquel il peut pas s'attendre. Et ça, c'est putain de cool d'être là-dedans. Et par rapport à ce que tu disais, effectivement, moi, c'est ce que j'adore, effectivement, c'est que ce côté Boy Scout et ce côté sans doute, là, on n'y est pas du tout. Le mec a des doutes tout le temps. Il doute de plein de choses. Il prend... comment il se rend compte de ses faiblesses. Qui sont pas forcément physiques, mais qui sont effectivement beaucoup plus psychologiques. Et puis, la fatigue, c'est pas physique. C'est une fatigue morale. Et tu sens que le mec est fatigué, quoi. Il est au bout, quoi. Ouais. C'est ça. Et ça, moi, j'ai adoré ce côté-là. Et il se rend compte que sa plus grande des faiblesses, c'est Lois, quoi. Et c'est ça qui est terrible. Parce que nous, en tant que spectateurs, en tant que connaisseurs de Superman, de petits connaisseurs de Superman, je le rappelle, on le sait que sa faiblesse, c'est Lois. On le sait que pour reprendre les grandes lignes d'un scénario de comics, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce comics d'ailleurs, mais s'il y a bien un truc avec lequel Superman peut partir en cacahuète, c'est Lois, et c'est potentiellement la mort de Lois. Donc c'est ça qui est ouf, c'est qu'on le sait, et on le voit sans rendre compte de ça, et je trouve que c'est juste ouf, effectivement, c'est un mec qui, comme tu le disais, sait qu'il a des pouvoirs, sait qu'il veut s'en servir pour faire le bien, prend conscience de ses faiblesses, et des limites ou pas de ses pouvoirs. Et ce que tu disais, oui, c'est par rapport à Lois, on l'entrevoit. C'est carrément le propos d'un comics que j'ai lu il n'y a pas longtemps de Jim Lee et Azzarello sur Superman pour demain, où Lois disparaît de la circulation. Et on a un Superman au même titre qu'avec Darwin Cook qui se pose des questions sur lui-même. Et il va même au-delà, c'est-à-dire qu'il va se poser des questions sur son utilité, sur son... J'en avais parlé dans la rubrique geek aussi, il me semble, de pour demain. Oui, je crois. Et au début du confinement. Et c'est vraiment ça que j'aime, c'est ce que je disais d'ailleurs à ce moment-là, dans la rubrique geek, c'est ça que j'aime chez les super-héros en général, et là, avec Superman en particulier, c'est le retour que le personnage a sur lui-même, sur sa propre utilité, sur sa présence ici, est-ce qu'il est légitime? Et ça, j'aime beaucoup, parce que on en parlait tout à l'heure avec Captain America et Superman, au départ, quand ils ont été créés, ces super-héros, ou même les autres, dans les années 40, leur utilité et leur place, elle était toute faite. C'était des super-héros qui sauvaient la planète de l'invasion nazie pour Captain America, et puis après, ça s'est étoffé à d'autres méchants, mais leur utilité et leur présence étaient tout à fait légitimes. Et là, ce qui est intéressant, depuis quelques années, dans les super-héros, surtout chez DC, il me semble, on a un questionnement sur est-ce qu'ils ont leur place? Pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils sont légitimes, ces super-héros?
Et même chez Marvel, je Même chez Marvel, il y a parce aussi cette. qu'effectivement, Bien sûr. il y a les X-Men notamment qui se posent la question parce qu'ils sont Ah en bah depuis, permanence totalement. rejetés par les humains. Et puis, Totalement. y en a un quand même auquel on peut vraiment rapprocher à Superman, c'est le Silver Surfer. Totalement. Tu vois, Totalement. le côté un alien qui débarque et les gens sont plus. Oui, il a des pouvoirs, machin, mais on se pose des questions. On se pose des questions s'il va pas devenir méchant. On se pose des questions s'il. Y a plein de trucs. Mais ouais, non, mais je rejoins tout ce que tu dis complètement. Je pense que c'est un des titres que je relirai parce que c'est. Après, moi j'ai eu, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, notamment sur l'esprit d'enquête, donc on va s'intéresser à un homme d'affaires très haut placé, on va dire, qui s'appelle Gallo, alors je ne sais plus, ça doit être Gustavo Gallo, ou une Un connerie truc comme comme ça, ça. en tout cas c'est Gallo, et donc Loïs va s'y intéresser, d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel, ce qui va perturber beaucoup Superman et donc Clark Kent, c'est d'ailleurs, j'étais très content de ça aussi, c'est-à-dire qu'on a un peu écarté L'ex-Twitter. Lex Luthor, merci, oh la vache, pour s'intéresser justement à ce nouveau méchant qu'est Et c'est Gallo. intéressant que t'en parles, excuse-moi de te couper, c'est intéressant que t'en parles parce que t'as vu la tronche de Lex Luthor dans Kryptonite? Ouais. C'est-à-dire que le physique. Ouais. C'est-à-dire que normalement, Lex Luthor, dans les Superman qu'on connaît, surtout les New 52, c'est un beau gosse, qui est quand même bien musclé, qui est chauve, hein, c'est l'image qu'on a de Lex Luthor de toute façon. Et là, il y a un pendant à Gallo, c'est-à-dire qu'on a Gustavo Gallo qui est svelte, qui est bien élégant, etc. Et a contrario, on a un Lex Luthor rabougri, Ah ben, un bien portant, qui est tout petit en plus par rapport à l'image qu'on se fait. Et voilà, c'est intéressant. qui est plus proche d'un Caïd, d'ailleurs. Et totalement, exactement. Tout à fait. Et c'est intéressant le parallèle qu'on a entre ces deux personnages parce que déjà le parallèle est intéressant à faire par rapport à la suite du comics, mais de voir un Lex Luthor qui physiquement dévalorisé par le dessinateur Mais par ils rapport sont à ce qu'on connaît de lui. tous justement, à part Gallo, mais Ouais, rabaissés, exactement. rabaissés à ça, Superman est rabaissé, est repoussé dans ses retranchements. Lex Totalement. Luthor, on le disait, même si Lex Luthor reste Lex Luthor, et il sera quand même dans les parages, hein, puisqu'on parle Totalement. de méchant, il reste quand même méchant, donc il va rester dans les parages. Mais c'est... Ouais, non, moi j'ai été vraiment hyper surpris, je m'y attendais pas. Je m'attendais à lire une fois de plus une histoire de Superman qui ne me touche pas plus que ça. Et puis qui vraiment me. Et moi, j'ai adoré ce comics de bout en bout. Moi, c'est pareil. Et ouais, quand on dit repousser dans ses retranchements, moi j'avais. Là. Et bizarrement, pourtant, j'ai déjà vu des Superman où, tu vois, bah, par exemple, la mort de Superman, où il est ensanglanté, ou machin, ou transpercé d'un truc, ou machin. Mais là, tu peux montrer la première de couve que tu as? Mais avec les bleus comme un boxeur, quoi. Et en fait, c'est un peu l'image qu'on a du boxeur, ou plutôt de Rocky, puisque c'est rentré dans la culture populaire. Mais c'est-à-dire du mec qui constamment se prend des beignes, mais il se relève. Et c'est ça qui fait la différence avec les autres super-héros. Et je la trouve très très bien choisie, cette couve. Parce que là, on a affaire à quelqu'un, c'est pas qu'il est plus fort que les autres, parce qu'il y a des gens plus forts au final, mentalement, j'entends. Bien sûr. Mais la différence avec les autres, et ce qui en fait un vrai super-héros, un vrai héros. Et moi, c'est ça que quand je vois un super-héros ou un héros, c'est ça que je vois. C'est-à-dire quelqu'un qui prend les mêmes beignes que les autres, voire plus, mais qui résiste et qui se relève. Qui se relève et qui se relève. Quand on entend par exemple la Captain America dans le MCU qui dit je ferai ça toute la journée, c'est pas pour la punchline, hein. C'est parce que le mec, ce qu'il différencie des autres, c'est que non seulement il est en apparence plus faible à ce moment-là, et qu'à chaque fois qu'il est faible, il sort cette punchline-là pour montrer au spectateur que quoi qu'il arrive, il se relèvera. Et c'est le fait qu'il se relève que c'est un super-héros. Et là, pour le coup, Superman, c'est exactement ça. C'est ça. C'est qu'il en prend plein la gueule, il est poussé dans ses retranchements, il est confronté à son passé, à ce qui fait lui son être, quoi. Enfin, c'est-à-dire voilà, Krypton, tout ça. Et
Loïs, ses faiblesses physiques, psychologiques, liées notamment à Loïs. Et le mec se relève. Se relève. Se relève. Et pour moi, c'est vraiment le plus beau cadeau qui pouvait être fait à Superman. Et en tout cas, c'est. Tu vois, avec le recul, c'est vraiment l'histoire qu'il me fallait pour apprécier Superman. Et je sais que je vais aller vers Superman. On dit très souvent que c'est pas un personnage, c'est pas un... mais c'est un titre. Tu vois, quand on demande une porte d'entrée ou un machin ou un truc ou un milieu, moi, il me fallait ce titre-là, avec ce scénario-là et avec ce dessin-là pour me faire aller sur Superman. Je pense que si j'avais jamais rencontré ce bouquin-là, je serais jamais allé sur Superman. Et voilà. Moi, Wolverine, c'est parce que le Wolverine des X-Men de Claremont m'a donné envie de lire du Wolverine. Le Spider-Man, alors là, je l'ai pas en tête, mais il y a sûrement une histoire de Spider-Man qui m'a donné envie de lire le Spider-Man. Et je pense qu'on est vraiment là-dedans. Je pense qu'on est vraiment dans le titre, moi, qui m'a chopé sur Superman, c'est celui-là. Et c'est ce titre-là qui va me faire aller vers ce personnage-là. Voilà. Ah, moi, je suis totalement d'accord. Et du coup, c'est marrant d'ailleurs, parce que c'est un peu la même avec toi, parce que t'étais pas Superman plus que ça, enfin. Bah, j'avais peut-être, je pense, lu plus de choses Peut-être, par ouais. rapport au kiosque de chez, Ouais, la enfin, les Justice kiosques dans League, tout ça, hein. Rebirth. Mais j'étais un peu comme toi, c'est-à-dire que c'était un peu lassant, effectivement, puis le personnage tournait en rond, et puis pas forcément intéressant, quoi. Ouais, le Boy Scout, comme tu dis, mais j'ai eu la même impression avec Captain America, hein. Tu sais, avec Captain America, je l'ai découvert grâce à Brubaker. Oui. Et puis dans Civil War, c'est là où je me suis dit, là, Là, il y a un ce truc. personnage, il y a quelque chose, il y a un truc qu'il faut creuser, et qui a été creusé par Brubaker Et par la suite, et... je t'en parle régulièrement, mais toi, tu peux pas saquer le personnage d'Iron Man, et je suis persuadé qu'il y a un titre qui t'attend, C'est quelque clair, part, c'est qui te sûr, fera aimer ce personnage. Et c'est ça qui est ouf, je c'est trouve. clair. C'est qu'encore une fois, alors on est très très loin d'avoir tout lu, on est très très loin, on n'a pas une culture comics de dingo non plus. Mais c'est vrai que c'est cool de, tu vois, d'en lire, d'en parler depuis là maintenant avec toi, depuis un an et demi. Ben encore être épaté par des titres auxquels tu t'attends pas. Et Totalement. blindé, j'ai envie de dire, c'est facile d'être épaté, tu connais rien sur le titre. Mais là, Superman, le mec est dans la culture populaire depuis des années, des années, des années, des années. Depuis ma naissance, bien avant ma naissance, il existait, tu vois. Et du coup, d'être épaté sur un titre et de me faire aller sur quelque chose alors que mais j'avais pas du tout envie de lire du Superman, et ben c'est super, super cool. Et je trouve ça vraiment chouette d'être encore épaté, d'être encore surpris. Et je suis persuadé que, tu vois, les mecs qui ont plus de bouteilles que nous, et encore une fois, ils n'en manquent pas, sont encore surpris par ce qu'ils lisent. Et c'est ça qui est génial avec le comics ou avec la BD. Ou avec le manga. Et c'est ce genre de pépites qui me font dire que jamais j'arrêterai de lire. Ah ben totalement. Ah ben là, c'est, je pense que je... Ah bon, ben salut. Non, j'ai rien d'autre à rajouter parce que tu as tout dit par rapport à ça. C'est exactement ce que je pense. Et c'est ce qui, je pense que c'est ce qui nous fait aussi, oui, continuer à lire, effectivement, comme tu le dis. Et c'est ça, c'est le fait de se dire, il y a un moment donné, il va y avoir une pépite, et on en trouve, Kryptonite. Il y en a d'autres, hein, on a parlé d'autres choses. Il y en a d'autres qui vont arriver, je pense, que ce soit en comics, en BD ou en manga. Et c'est ça qui est génial, c'est ça qui est mortel. On va être déçu, forcément, mais Forcément. on va trouver des petites pépites comme ça. Et puis, je pense qu'avec Tim Sale et Darwyn Cook, on peut être rarement déçu. Je pense que c'est Je pas pense possible aussi. d'être déçu. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, en ce qui concerne un avis peut-être un peu plus poussé de ma part, en tout cas, de ce que j'ai pensé, parce que là, j'ai rebondi sur ce que tu disais et j'ai dit ce que je pensais du titre dans sa globalité. Et encore une fois, je pense avoir été bavard. Mais si vous voulez avoir mon avis un peu plus à chaud, j'ai envie de dire, puisque vraiment je venais de le lire, ben je vous mettrai le lien de la rubrique geek en description pour que vous alliez zioter ça. Et puis même si vous ne m'écoutez pas, écoutez mes collègues ce soir-là, c'était vraiment, vraiment cool. Autre chose à ajouter, mon ami Nico? Bah non. Donc que ce soit du Superman, de Tim Sale, de Darwyn Cook, de Jim Lee ou encore Dan Jurgens, l'important, L'important, c'est de c'est de lire. lire. Allez, ciao à tous. Allez, allez, bisous. À la prochaine.